Bon, on continue. J'ai plus le choix de prendre le Magnum. Vas-y, je le tente sur le Magnum. Putain, je vais arriver au prochain boss, j'aurai peu de balles presque. Ça veut dire pourquoi je garde mon pompe et mon pistolet sur moi? Ok, aussi je trouve des mines. Si je trouvais des mines en chemin, je suis refait. Par contre, là, pour tout le reste du jeu, avec Claire, tu te rends compte qu'avec Claire en bis, j'étais suréquipé. J'avais trop de grenades, j'avais trop de balles et tout, j'étais super bien. Avec Léon. Juste pour l'histoire de liqueur que j'ai pété plein de balles de pompe. Et bah je suis baisé. Je suis bien que là. Je sais, j'ai fait plein d'allers-retours, mais là. J'ai vu. Comment dire? Le truc qui va me sauver la vie. Oh putain. Et il y a des gens qui arrivent. Moi je pourrais jamais speedrunner ce jeu. Je me disais j'ai une petite chance et tout, mais encore je faisais des temps de merde. Enfin, je faisais même pas ouf ce que je faisais. Et là. Oh. Oh putain. Quand tu récupères des balles de pompe, c'est comme si t'étais un dépendant de la drogue et tu te remettais une dose. Voilà, c'est la même chose. Ah, une petite cartouche. 6 petites cartouches de pompe. Ah, niveau balle de pistolet, il commence à être radin ces enculés de jeu. Et je me rends compte vraiment. Allez, t'es où, enculé? Ok, si vous voulez, il a disparu le monstre. Oh. Il n'y a pas de balle de ballon, pas de pistolet amélioré. C'est que pour Claire, c'est. J'avais jamais fait gaffe. J'avais fait Léon. Ah. Par contre, cette pellicule est importante. Des balles de pistolet. Oh putain, ça fait plaisir. Voir des balles, des balles. C'est comme si pendant longtemps tu t'es trouvé, tu étais à poil et que là, d'un coup, t'as retrouvé tes vêtements.
mère et le beau-père pour une soirée, en tout. Et on va retourner au commissariat. Il faut passer à côté là où il y a les liqueurs. Que je récupérerai en chemin. Donc en fait, quand je me disais putain, contre le boss, je vais être dans la merde et tout, j'ai plus de balles. Je suis refait, j'ai des balles de Magnum. Pas calmé. Et j'ai pris super bien le bon choix. Donc là, on va aller chercher une amélioration de je sais plus quelle arme. Magnum, je crois, si je dis pas de bêtises. Et. Pas de Magnum. Ah, je sais plus. Ah, si c'est le Magnum, ce serait parfait. Matilda, je crois qu'on a déjà eu au moins 4 améliorations. Donc le frein, la crosse, le chargeur. Alors. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle le karma. Et les accidents. Des fois, le karma il est pas avec moi, mais des fois il est avec moi. Il y a des fois le cas. Les accidents arrivent beaucoup avec moi. Et ce cas-là risque de m'arriver tout de suite. Avec des liqueurs. J'aurais dégommé plein de balles de pompe pour les tuer au final. Bah tiens, pour le plaisir, il y avait une pellicule qui traînait ici. Hop, on va la claquer. Et aussi. Il y a une pellicule que j'ai jamais utilisée. Je crois que c'est celui-là. Il y a une photo d'Orbeka. J'ai jamais compris où il était, tu vois. J'ai pas pris l'herbe verte ici, au fait. Alors, d'en haut, ils t'entendent courir. Si t'es en haut et que tu cours, pouf, ils te trouvent dessus, ces enculés. Putain, tu te fous toute une histoire pour aller dans les égouts. Alors que t'avais juste une porte à défoncer. On sait jamais. Ensemble. Alors, ce serait amélioration de quoi au final? C'était bien pour. Permet une visée ultra rapide. Ah oui, c'est vrai que la visée est ultra lente. La précision quand tu restes. Quand tu tires pas. Pourquoi je marche? Oh, c'est toujours bien qu'ils aient les cadavres de zombies. Et qu'il n'y a pas de crissonnette surtout. C'est vrai que j'ai même pas tilté au début. À force de croiser les cadavres de zombies, à aucun moment je me suis dit ça se trouve. Il va y avoir un crime, ils vont forcément crissonnette.
pas un zombie qui traîne encore. Putain. À chaque fois. J'ai pu à chaque fois. En plus j'ai éclaté la kinder bleu. J'oublie, y'a une pute qui apparaît ici quand tu vas chercher des affaires. Pour aller chercher 400 balles de lance-flamme. Pour être utile plus tard. Peut-être qu'il va être surtout utile dans le labo contre les potes. Mon oreille qui me gratte. Ah, on est qu'à 3h07 de jeu, sérieux? Je pensais que j'ai fait plus d'heures. Ah oui, les cinématiques comptent pas. C'est vrai. Sneaky Yado qui est là. Bienvenue à toi, c'est Sneaky Yado. Pas à parler. À me réconforter. Vous savez que le fait que vous me parliez, ça me réconforte. Putain, c'est. Voilà qui j'ai oublié de prévenir sur le live. J'ai oublié de prévenir les gars. Retourne ici et on saute. Comme quoi j'avais bien fait de sauvegarder en échangeant l'équipement parce que comme je disais mon karma. Ok, j'ai des balles, putain. Eh, j'ai presque pas tiré pour toi. Avec Claire, c'est un embryon. Avec Léon, des zombies. Ça, pour le coup, je savais pas. Parce que l'autre embryon, d'habitude, j'ai déjà tué. Ah putain, j'aurais pu passer là où il y avait l'embryon. J'avais le lance-flamme avec des balles. Tant pis. Ça, je peux pas du coup.
La phase du boss que je déteste le plus. Par contre, c'est vrai, putain, un hardcore, t'as une sacoche en moins, ça fait chier. Je vais dépenser mon instinct. Ok, j'y suis presque là. Et je vais récupérer d'autres soins. Un spray. Un néo, je l'ai déjà utilisé. Ah ouais. J'ai utilisé donc. Hop. C'est devoir aller. Ah oui, j'ai carrément le point. Ah, de toute façon, je vais me faire encore toucher avec plein de avec les griffes. Je crois que c'est ça. Ah putain, non, on est pas, on est en bis. Oh, une astuce quand il est déjà gris, il y en a qui lancent des grenades. D'autres qui tirent le bras. Pour le bras, ouais, parce que. Voilà, donc le bras, si tu lui tires dessus, sur le bras, il fait normalement, si tu te démerdes bien, trois descentes, il devrait. Bon, normalement, encore un coup de knife. Cette position là devra tellement mériter un coup de griffe. Et Léon, cours pour ta vie. Si c'est ça, courir pour ta vie. On est mal barré. Et j'ai pas d'autodéfense. Attends, j'ai raté mes deux balles de magnum. Des coups de griffe, j'arrive pas à esquiver des fois. Mais
Ah, ça devrait être bon. On a un try, ça devrait être bon. Oh, j'ai eu peur. Oh, y'avait un succès. Qui le grue? On peut venir en disant le grue qu'une seule fois. Oh putain. Y'avait un succès dessus. Comme quoi? Mogi toujours réveillé ou parti entre temps? J'espère que c'est fini cette fois. On peut récupérer les bacs qui étaient ici. Tu... Chier. Ah putain, ouais, ça fait chier. Ouais. J'ai géré. Là, tu veux attendre. Lance-flamme est vachement efficace contre ces boss en tout cas. C'est de l'enflamme pour les monstres en plante. Putain, je vais. Installer. Ah, les plantes vont. Par contre. Ada! Ada, où es-tu? Par ici! Ada! Je commençais à m'inquiéter. Je peux pas l'enlever. Je sais pas si je devrais. Fais-le! Je peux pas marcher avec ça. Ok. Ça va faire mal. Je peux le faire. Détends-toi, ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu devrais partir. Pendant que tu le peux encore. Je vais pas t'abandonner. Pas dans cet état. Tu comprends pas. La situation est pire que ce que je pensais. On se débarrasse pas de moi comme ça. Tu m'as sauvé. C'est à mon tour. Alors comme ça, on compte les points. Tiens-toi à moi. N'abuse pas non plus, hein. Ok, je voulais juste t'aider. Fais attention. Tu veux m'aider? Il faut qu'on aille au Nest. Nest? Le labo d'Umbrella. Là, sous nos pieds. Annette en a parlé. Les échantillons du virus s'y trouvent. Tu es partant? Je crois que je peux caser ça dans mon planning. Allez, on a du pain sur la planche. Oui, chef. Le funiculaire nous amènera au Nest. Ce bracelet est notre ticket. Bien. Tu l'as trouvé où? Un emprunt. Mais peu importe, on y est presque. J'ai fait des putains d'économies de Magnum quand j'y repense. Deux balles qui sont parties dans le vide. Laisse-moi te porter.
Je me sentirai encore. Ça pourrait être un aller simple. J'espère que t'es prêt, Léa. Cette navette va au Nest. Veuillez ne pas sortir avant la destination finale. Je pensais à un truc. J'ai hâte que le FBI débarque au QG d'Umbrella et foute tous ces enfoirés derrière les barreaux. Moi aussi, et que ce soit clair. Cette affaire n'est pas de ton ressort. C'est une affaire fédérale. Une fois qu'on aura le virus G, je continuerai seule. Hé, Léon. Tu me fais confiance? Et toi? Franchement, si c'était pas le cas, tu serais déjà mort. Je vois. Je me suis dit que tu pourrais m'aider. Et j'ai eu raison. Si tu obtiens le virus G, je ferai en sorte que ce qui s'est passé à Raccoon City ne se reproduise jamais. Ada. Tu l'as dit toi-même. C'est une affaire fédérale. Léon, je suis pas habilité. Regarde-moi. J'ai besoin de toi. Si je veux boucler cette affaire, tu es mon seul espoir. Pas question de te laisser ici. Imagine qu'on t'attaque, que tu aies besoin d'aide. Ça va aller. T'en fais pas pour moi. Je veux aller jusqu'au bout. Et je veux te revoir aussi. Je compte bien vivre, crois-moi. Vous êtes arrivés au Nest. Vas-y. Allez, on n'a pas le temps. T'auras besoin de ça. Ok. Canard. Léon. Je compte sur toi. Je sais. Tu vois dans Angelic Cat ici, tu dis. Oh, c'est Ada. Hey, tu le vois dans le 2 la première fois, Ada. Et putain, salope. Et donc. Ah bah! C'est quand, genre, que tu viens... Alors ça, tu viens ici, et après tu vas dans un truc où t'as un grand ascenseur avec un tramway et tout, je sais pas quoi. Quand tu descends, elle se fait grave blesser. Du coup, tu la laisses dormir dans le train. Et tu te dis, bon, bah c'est pas grave, je continue à trouver un truc, tu vois, la suite. Et encore, à la base, j'ai pas censé chercher... J'ai été censé te barrer, disons. Juste ça. Et j'ai faim. Ah bah, va bouffer. Bienvenue au Nest. Agréable visite à tous. Agréable visite à tous. Et okay. On sait. J'ai occupé tous les slots. Le virus G. Flash, on garde de pour plus tard. Le magnum, je peux manger. Voilà. Oh, alléluia. Ah, des ponts. Des ponts. Donc en vrai, Ada, quand elle se fait blesser, c'est un putain de coup de griffe du vieux G. Le coup des griffes au-dessus du plafond, bah normalement, paf, à travers le mur, alors c'est un coup de griffe. J'ai cette place pour prendre toutes mes affaires. On va dire oui. Par contre, je vais me les faire en pompe. Putain de merde.
menu basé sur la biologie répond à tous vos besoins nutritionnels. Goûtez notre sélection d'aliments bons pour la santé. C'est manger, les gars. Ah, de bouger ta tête. Tiens, mon guise, t'as faim. Oui. Yes, une grenade. Yes, des carburants dans ce flamme. Pour le coup, j'en avais vraiment besoin pour plus tard. Et après, c'est... toujours le couteau équipé, ok. Fais chier. Docteur Lee, le chef Cartwright vous demande de toute urgence dans la zone. J'ai tout le jeu entier. Normalement, dans une heure, ça doit être fini si je galère pas. Peut-être plus une heure et demie plutôt. Si je mets combien de temps? Ouais. Normalement, 4h30, ça devrait le faire, mais. Je sais pas. Ça dépend comment je me démerde contre les boss. J'ai failli partir sans récupérer ce que je voulais. Il y en a encore, t'as toujours une sacoche en moi. Ce que je sache. Merde, putain.
va s'en sortir. Hein, Mugi, on va s'en sortir. On va y arriver à finir Léon bis. Je suis dans la merde. Léon est beaucoup plus dur en fait. En fait, mes combats de boss avec Léon sont beaucoup plus simples. Mais tout le reste est beaucoup plus dur. Et Claire, c'est l'inverse. Le jeu est beaucoup plus facile avec Claire. Mais avec les boss, c'est beaucoup plus dur. Donc avec Claire, avec la mitraillette. Beaucoup plus facile en cobalité avec Claire. Parce que t'as un putain de lance-grenade. Change une vie. Et je vais penser à un truc. Allez.